Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oiseau fabuleux, le rouge-gorge, et de sa signification au niveau spiritualité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo, car cela me fait grand plaisir. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il du rouge-gorge? C'est un cadeau divin, un signe de soutien du ciel. Il annonce souvent une bonne nouvelle, une situation qui se décante, une évolution avec une régénération. Le rouge-gorge est sacré car il dit qu'il repousse les maléfices en apportant de la pureté. Il est aussi appelé l'oiseau du feu. Il symbolise la sympathie et attire le bonheur en soi et autour de soi et la charité. Le rouge-gorge est aussi appelé le petit roi. Enfin, le rouge-gorge témoigne de votre foi et remplit votre cœur d'amour, vraiment tout du bon dans le rouge-gorge. Quand on parlait d'amour divin, l'énergie du rouge-gorge est l'énergie d'amour pur. Observer un rouge-gorge est toujours un plaisir. L'amour pur ne se juge pas et c'est le cadeau que nous offre le rouge-gorge. Les rouges-gorges jouent un rôle important. Ils enseignent une connaissance particulière sur Terre parce qu'ils expriment l'amour pur. Leur présence est une bénédiction. Vous puisez dans l'énergie du rouge-gorge chaque fois que vous agissez avec amour dans un but désintéressé. C'est un amour différent de l'amour romantique. C'est l'amour pur du divin qui s'écoule d'un vase plein. Nous baignons dans cet amour à chaque instant de nos vies, mais il n'y a que très peu de gens capables de s'ouvrir suffisamment pour l'exprimer et le transmettre. La conscience du rouge-gorge déborde de cette énergie d'amour pur et allège tout ce qui l'entoure. Si vous êtes comme le rouge-gorge, vous avez un rôle très important sur cette planète en permettant au divin de s'exprimer à travers vous. Vous faites ceci de façon très sereine, comme le rouge-gorge. Vous n'êtes pas très bavard et vous ne vous vantez pas de vos bonnes actions. Mais ceux qui vous entourent vous reconnaissent grâce au plaisir qu'ils éprouvent en votre présence. Le rouge-gorge peut vous aider à chaque étape de ce processus à vous détacher de cet aspect négatif et à être de plus en plus capable d'aimer. Appelez la conscience du rouge-gorge à l'aide dès que cela vous semble nécessaire et voyez comment les obstacles fondent comme neige au soleil. La conscience du rouge-gorge est parfaitement en accord avec l'amour divin. Elle est tout indiquée pour vous permettre d'entrer en contact avec votre propre nature divine. Laissez donc le rouge-gorge entrer dans votre cœur aujourd'hui en affirmant « Je permets à la conscience divine du rouge-gorge d'ouvrir mon cœur. J'admets que je suis amour. Je ne laisserai rien d'autre que l'amour s'exprimer à travers moi. » J'abandonne toute hostilité, je veux être un canal qui permettra à l'amour divin de s'exprimer. Le rouge-gorge a une signification spirituelle dans plusieurs traditions parce qu'ils sont capables, tous les oiseaux incarnent la spiritualité. Le ciel représente le royaume illimité de l'esprit et les oiseaux témoignent d'un processus de votre psyché qui vous apporte équilibre, guérison. Découvrons maintenant la signification du rouge-gorge qui est un oiseau porteur de significations différentes au fil des siècles, symbole de paix, présage de mort et synonyme de courage. C'est un animal spirituel fascinant et puissant. Toute la signification spirituelle de rouge-gorge que je vais vous donner maintenant au niveau du christianisme. Dans les traditions chrétiennes, le symbolisme spirituel du rouge-gorge est associé au chardonneret qui retire une épine de la couronne du Christ. L'oiseau aperçut Jésus avec sa couronne d'épines sur la croix.
il virevolte autour de lui afin de trouver le moyen de retirer une épine. Puis il transperce lui-même en la retirant. Cette histoire explique son nom de rouge-gorge, puisque la poitrine rouge de l'oiseau est due au fait qu'il se soit percé la poitrine. Mère Teresa invitait chacun d'entre nous à devenir cet oiseau. Si quelqu'un souffre, nous devons faire tout notre possible pour réconforter cette personne et apaiser ses souffrances. Au niveau de la culture amérindienne, tous les oiseaux sont des messagers des dieux et des déesses. Ils vénéraient et honoraient la majorité des oiseaux, dont le rouge-gorge. Elle est considérée comme des guides spirituels, les Amérindiens. Pour eux, le rouge-gorge est un symbole angélique, mais aussi un oiseau qui représente les liens familiaux. Les rouges-gorges restent près du sol et ne volent pas très haut. Ils vivent à proximité des humains et symbolisent la famille, le foyer et les liens du cœur. C'est pourquoi les Amérindiens ne chassaient jamais le rouge-gorge pour sa viande et ils l'utilisaient au contraire pour trouver leur animal personnel et les guidaient lors de leur marche spirituelle. Dans la spiritualité, le rouge-gorge a toujours été considéré comme un animal et un symbole de renaissance, de mort et de nouveau départ. Il peut vous guider à tout moment dans votre vie et c'est aussi un animal totem, synonyme de gaieté et de positivité. Quelle est maintenant la symbolique du rouge-gorge en tant qu'animal totem? Une personne née avec un rouge-gorge comme animal totem se caractérise par une personnalité heureuse dans la gaieté et contagieuse. Il est impossible de rester morose auprès de ces personnes car elles trouvent le moyen de remonter le moral de leur entourage. Si votre animal totem est le rouge-gorge, vous faites preuve d'une grande perspicacité dans votre vie et vous arrivez à observer les choses sous plusieurs angles. Vous prenez les décisions en utilisant votre pleine conscience et sensibilité. Pour vous, la sincérité est primordiale dans les relations. Votre personnalité enjouée vous fait voir la vie de manière positive en toutes circonstances et un sentiment de satisfaction domine votre quotidien malgré les obstacles. Vous agissez avec passion, patience et sagesse sans jamais hésiter et il est fort probable que vous soyez une source d'inspiration pour beaucoup dans votre entourage. Qu'en est-il au niveau du symbolisme du rouge-gorge en tant qu'animal de pouvoir? Les oiseaux sont des êtres magiques depuis des milliers d'années et beaucoup de divinités et de dieux ont des oiseaux comme compagnons. Le rouge-gorge serait proche de Thor, le dieu de tonnerre, du tonnerre qui aime le rouge et qui aurait également aidé Jésus lors de la crucifixion. C'est donc un puissant messager du divin. Quand le moral est au plus bas et que vous sentez que votre foi est fragile, le rouge-gorge est l'animal de pouvoir qui vous offre un regain d'énergie. Vous devez alors trouver votre rouge-gorge intérieur pour apercevoir à nouveau la lumière divine et dire adieu aux nuages noirs. Le rouge-gorge est aussi un excellent allié quand vous êtes en période de changement dans votre vie. L'énergie spirituelle du rouge-gorge vous donne confiance et courage pour affronter les obstacles et vous sortirez plus fort de ces expériences. Qu'en est-il au niveau du symbole des plumes du rouge-gorge? La signification spirituelle du rouge-gorge viendrait principalement de sa couleur contrastée, des plumes rouges vives sur la poitrine et des ailes brunes. Il peut représenter la paix pour certains et la mort pour d'autres. Lorsque vous tombez sur une plume de rouge-gorge, posez-vous la question suivante. À quoi ai-je pensé juste avant de trouver cette plume? En effet, le rouge-gorge est le guide spirituel qui vous donne confiance et courage. C'est un message pour vous pousser à aller de l'avant et à continuer sur votre voie ou bien à concrétiser un projet auquel vous penseriez. Pour certains peuples anciens, les plumes de rouge-gorge étaient des talismans et des objets précieux. Au-delà du message spirituel que la plume révèle, c'est simplement un cadeau des anges gardiens. Et qu'en est-il enfin quand on rêve d'un rouge-gorge? Dans la mythologie, les oiseaux sont les messagers de Dieu.
En général, rêver des rouges-gorges indique que la chance vous sourit. Les oiseaux représentant également certains aspects des relations et la présence d'un rouge-gorge dans un rêve signifie qu'il faut entretenir les relations existantes. Rêver d'oiseaux a toujours été signe de bons présages pour les peuples anciens, symbolisant les bonnes nouvelles et un avenir radieux. Le chant d'un rouge-gorge dans vos rêves est d'ailleurs la promesse d'une belle opportunité d'améliorer tous les domaines dans votre vie. Les rêves d'oiseaux tels que le rouge-gorge peuvent aussi montrer un désir inné de s'échapper d'une situation à laquelle vous pouvez être confronté dans votre vie. Il pourrait être également signifier le désir de s'élever au-dessus des attachements et des attitudes négatives habituelles. Finalement, dans toutes ces nombreuses significations spirituelles, le rouge-gorge est un animal dont la symbolique spirituelle est puissante, au même titre qu'il se glisse d'un arbre à un autre au printemps. C'est un symbole de transition et de renaissance. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.